Les applications pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, on va parler des applications pour gagner de l'argent. C'est un sujet très tendance en ce moment sur YouTube. On voit tellement de vidéos nous disant qu'on peut gagner tellement d'argent tout simplement en installant des applications sur notre téléphone. Et l'argent promis par ces vidéos est juste énorme. Juste en scrollant à travers ces différentes vidéos, on peut voir 10 000 euros, 200 euros par semaine, 50 euros par jour. Pour être honnête avec vous, ça m'a l'air trop beau pour être vrai. Mais bon, il y a tellement de gens qui réalisent des vidéos là-dessus qu'il y a peut-être de l'argent à se faire. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais m'asseoir pendant 8 heures de manière continue à mon bureau et je vais tout simplement voir si je peux faire plus d'argent avec ces différentes applications qu'en faisant en fait un job normal du coup au salaire minimum. Je pense que c'est une comparaison intéressante et ça va nous permettre de savoir si oui ou non ces applications valent notre temps. Mais avant cela, on doit trouver combien d'argent je ferais si je passais ces mêmes 8 heures à travailler au salaire minimum en France. En France, quand vous êtes au salaire minimum, vous gagnez 10,15 € de l'heure. Alors bien sûr, c'est avant les impôts, mais on va faire simple. On va dire que 1 heure au salaire minimum, ça rapporte 10 €. Et donc, 8 heures de travail rapporte 80 € tout simplement. Et ce qu'on va essayer de faire du coup avec ces applications mobiles, c'est tout simplement de faire ces mêmes 80 € en 8 heures. Parce que ça veut dire que si on arrive à faire 80 € du coup en 8 heures avec ces différentes applications mobiles, on n'a plus besoin d'aller dehors chercher un travail du coup au salaire minimum parce qu'on peut tout simplement faire autant avec ces applications mobiles en étant chez soi. Alors à l'instant présent, il est 19 h et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer maintenant. Ça veut dire qu'à 3 h du matin, j'aurai fini, j'aurai passé ces 8 heures et on aura la réponse. Pour passer ces 8 heures de manière agréable, ce que je vais faire, c'est que je vais juste me mettre dans mon fauteuil. Au moins, ça va être beaucoup plus facile pour passer ces 8 heures du coup sur mon téléphone. Bon les amis, il est l'heure de commencer, il est 19 h 01. Et ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais prendre mon téléphone et je vais chercher toutes les applications mobiles et je vais toutes les télécharger. On va voir ce que ça donne, mais je vais toutes les télécharger les gars. Et je vais m'inspirer des vidéos qui sont déjà sorties sur YouTube afin de trouver ces applications mobiles. C'est parti. Bon les amis, 19 h 03, c'est l'heure de commencer, donc c'est parti pour 8 heures. Je pense que ça va être éprouvant, ça va être compliqué, mais bon, j'ai envie de savoir la réponse. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par enfiler mes écouteurs. Et puis, on va y aller les gars, let's go. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais télécharger toutes les applications du coup que j'ai vues dans ces vidéos YouTube et je vais les mettre sur mon téléphone. Au moins, genre, je les aurai toutes et on va voir clairement si ça fonctionne, oui ou non. Alors, ce qu'on voit, c'est hallucinant, mais il y a des milliers d'applications sur l'Apple Store. Alors, je sais pas si le focus va bien se faire, mais qui nous permettent de gagner de l'argent et qui nous font des promesses énormes. Alors, je vous avoue que depuis tout à l'heure, j'en télécharge et je suis tellement pressé de voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est hallucinant. Surtout, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'elles sont hyper, hyper bien notées. Regardez un petit peu le temps que le focus se fasse. Elles sont hyper, hyper bien notées, c'est-à-dire que je suis vraiment perplexe vis-à-vis de ça et j'ai vraiment envie de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. On va encore en télécharger une dizaine et puis après, pendant 8 heures, on va y aller, on va essayer du coup de faire ces 80 €. Bon les gars, à l'heure actuelle, ça va faire quasiment 30 minutes que je fais ça et je suis à 11 €. Alors, on va prendre comme un nombre moyen. Imaginons qu'on fait x2, 20 € de l'heure. Pour l'instant, on n'est pas à 8 € de l'heure. Bref, on va continuer, on va pas perdre espoir. Clairement, on va essayer de continuer et d'atteindre ces 80 € en 8 heures. Peut-être qu'avec une autre application, en plus, voilà, on va gagner plus. À tester.
Alors le principe de cette application, c'est que c'est une application qui va vous demander de faire des tâches spécifiques comme vous inscrire un sondage, inviter vos amis, partager sur votre mur Facebook, et à chaque tâche vous allez gagner des crédits. Le truc, c'est que l'avantage en fait d'utiliser ça pour les entreprises, c'est que les entreprises en fait elles peuvent faire de la publicité pour leur application via cette application pour gagner de l'argent, tout simplement. Le gros problème, c'est que pour récupérer cet argent, il faut énormément de crédits et on vous l'envoie par PayPal. Ça veut dire qu'en fait, quand vous utilisez ça pendant une heure par jour, même pas, bah croyez-moi, vous n'allez pas pouvoir retirer cet argent. Il faut vraiment le faire pendant beaucoup de temps pour atteindre en fait ces différents stades, comme 6500 crédits. Pour l'instant, on est à 492 crédits pour pouvoir retirer cet argent. Alors pour l'instant, une application que vraiment j'aime bien, du moins dans toutes celles que j'ai testées, celle qui m'a le plus retenu, c'est celle qui s'appelle Zap Survey. Donc c'est une application où vous pouvez gagner vite. À la première truc, j'ai gagné 6$, c'est-à-dire que voilà, ça a bien monté en fait mon compteur pour atteindre les 80€, même si je pense que voilà, ça va être très très compliqué. Mais c'est une application qui propose beaucoup de sondages et c'est des sondages qui sont assez rémunérateurs, du coup ça va. C'est, je pense, celle que je vais utiliser jusqu'à la fin des 8h pour essayer vraiment de rattraper mon retard. Bon les amis, petit récapitulatif, après quasiment 5 heures, clairement je suis explosé, j'en peux plus. Actuellement on est à 6,80$, donc on est bien loin de notre objectif. Mais je vais profiter du coup de cette petite pause pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne ces applications là. Alors de ce que j'ai remarqué en fait, c'est que quasiment toutes les applications fonctionnent pareil. C'est-à-dire, vous allez aller sur l'application et ils vont vous proposer des crédits. Si vous téléchargez une autre application, mais en fait vous vous rendez compte que quand vous téléchargez cette application-là, il faut aussi s'inscrire et des fois même il faut atteindre un certain niveau dans le jeu pour pouvoir recevoir les crédits. Du coup, ça fait nitrer et des fois c'est quasiment impossible, hein, c'est mission impossible des fois. Et il y a une chose en fait que pratiquent toutes ces applications, c'est qu'il faut un certain montant pour retirer et le certain montant est assez haut. C'est-à-dire des fois c'est 5€ et 5€ sur l'application, c'est énorme. C'est-à-dire que 90% des gens qui utilisent l'application, ils l'utilisent une fois, deux fois, et puis après, bah, en fait, ils ne retirent pas cet argent, et l'argent, en fait, revient à l'application, et ils n'ont pas perdu d'argent. Du coup, c'est un système qui est très, très malin et très, très poussé. Alors, aussi, un truc qui revient souvent, c'est les sondages. Et en fait, vous allez faire des sondages, et ils vont dire, ok, on va vous payer 1$ par sondage en fonction de vos réponses. C'est-à-dire, si vous mettez des bonnes réponses, vous gagnez plus d'argent. Si vous mettez des mauvaises réponses, en fait, vous êtes disqualifié. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas simplement faire ça et spammer sur votre téléphone pour avoir l'argent, non. Il faut vraiment rester attentif, rester concentré, lire et donner les bonnes réponses. C'est-à-dire que c'est, ils ont vraiment bien rodé leur truc. Donc plus qu'une heure, on continue les gars. Et puis dans une heure, on fait le décompte de combien j'ai gagné durant ces 8 heures. Je vous avoue que là, je suis fatigué, j'en peux plus. J'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Alors pour vous expliquer, je suis sur la même application depuis tout à l'heure. Et même si je gagne, allez, pas beaucoup par sondage, je peux en faire rapidement et en illimité, c'est-à-dire que ça me permet vraiment de me retrouver à un bon taux horaire par rapport aux autres applications. Même si c'est pas encore ça, j'arrive à retrouver avec 3-4€ l'heure, du coup, c'est l'idéal. Et ce que j'ai remarqué en fait, c'est que ces entreprises en fait qui payent pour être sur ces applications-là, c'est des entreprises en fait qui veulent trouver des personnes qui achètent. Elles veulent trouver des personnes qui achètent. Et dans beaucoup de sondages, en fait, on va être refusé si on ne répond pas aux critères. C'est-à-dire que si on ne répond pas à la question correctement, bah ils vont simplement nous donner un montant d'argent qui est ridicule comme 0,10 centimes, et c'est très difficile de progresser avec ça. Ça veut dire qu'ils veulent dans leur sondage des personnes qui achètent, des personnes qui vont acheter juste pas un truc de voyage, des personnes qui vont acheter une nouvelle télévision, tout genre de choses. Ils cherchent vraiment la consommation et c'est pour ça qu'en fait on est refusé de pas mal de sondages où on gagne très très peu par sondage parce qu'on ne correspond pas forcément aux critères. Mais lorsqu'on sait comment ça fonctionne, bah, on peut tout simplement faire ces sondages de la meilleure manière et gagner plus. C'est-à-dire, en fait, il faut se comporter comme une personne qui veut acheter tout le temps.
C'est bon. On y est les amis, du coup, attendez, je vais vous faire un petit retour avant sur combien j'ai gagné. Mais avant ça, je vais vous décrire un peu comment je me sens. Je vous avoue qu'après ces 8 heures, j'ai le cerveau totalement explosé. Genre clairement, j'en peux plus. Heureusement que j'ai mis de la musique. Ça m'a aidé à passer le temps, ça m'a aidé un peu à... Voilà, genre passer le temps. Genre ça m'a aidé un petit peu à éviter toute la souffrance de faire la même tâche répétitive. Surtout que ces dernières heures, en fait, j'ai fait que des sondages parce que c'était le truc qui rapportait le plus en le moins de temps. Et la musique, ça m'a aidé à passer le temps, en fait, à faire ces sondages. Boum, boum, boum. À la fin, on n'en peut plus, clairement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au décompte et on va compter combien d'argent j'ai gagné au cours de ces 8 heures. Alors, on a une application qui s'appelle Eureka et j'ai gagné 1,40$. Celle-là, je l'ai plutôt bien aimée parce que le design est sympa. Mais bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas en fait faire autant de sondages qu'on le veut durant la journée. On va aller sur ZapSurvey. Alors, ZapSurvey, j'ai gagné 6,40$. MakeMoney, j'ai gagné 3,9$. Et Lucky Cash, j'ai gagné 2,34€. Juste prendre ma calculatrice et je vous sors tout de suite le montant que j'ai gagné au cours de ces 8 heures. Donc les amis, pendant 8 heures, j'ai fait ces applications, je m'y suis vraiment investi et je peux vous dire que j'ai gagné 14,04$. Après, pour être honnête avec vous, je pense qu'on peut gagner beaucoup plus quand on connaît toutes les combinaisons parce que voilà, au défaut, vous êtes rémunéré en fait en fonction du sondage et des réponses que vous allez faire au ce sondage-là. Mais bon, on va faire le calcul, c'est très simple. Quand on calcule 14, on va diviser par 8, ça fait 1,7$ de l'heure. Voilà, je pense que 1,7$ de l'heure, on est loin des 10€ qu'on s'était fixé par heure, malheureusement. Et aussi une chose que je peux préciser, c'est que ça va faire un an et demi que j'ai pas travaillé un job en fait au SMIC, au salaire minimum. Mais je peux vous avouer que quand même, je préfère travailler au salaire minimum que faire ça toute la journée. Parce qu'à la fin, je pense que ça vous rend fou et ça laisse des séquelles clairement au cerveau. C'est-à-dire je préfère largement travailler dans un endroit comme Carrefour ou même être livreur plutôt que faire ça toute la journée, croyez-moi. Même quand ils sont au salaire minimum, ces jobs en fait, ils payent plus et c'est beaucoup plus enrichissant de faire ça plutôt que de rester en fait sur son fauteuil et faire ses applications toute la journée honnêtement. Donc la conclusion en fait pour moi après ces 8 heures, c'est que ces applications ne valent clairement pas votre temps et vous avez clairement mieux à faire si vous voulez gagner de l'argent en fait en ligne. C'est clairement bien mieux de lancer un business en ligne plutôt que de faire ces applications là. Mais je pense en fait ce qui attire les gens avec ces applications en fait, c'est la promesse en fait d'argent facile et rapide. Et les gens pensent en fait qu'ils ont juste à télécharger l'application, la lancer et puis ils vont faire de l'argent. Bien sûr c'est une promesse qui est fausse. Mais voilà, je pense en fait clairement ce qui attire ces gens à travers ces applications. Le truc de ces applications, c'est qu'elles garantissent en fait qu'on va gagner de l'argent très rapidement et qu'on va gagner beaucoup d'argent très rapidement. Et beaucoup de gens tombent dans ce panneau-là en fait avec les bons avis, mais ensuite on se rend compte que tout est truqué. Alors qu'au contraire, les gens, s'ils veulent lancer un business en ligne, ça va leur demander du temps, ça va leur demander beaucoup de travail, ça va leur demander de l'investissement, mais par contre, je trouve ça beaucoup plus enrichissant et ça va apporter beaucoup plus d'argent à long terme que faire ces applications-là toute la journée. Donc c'est tout pour aujourd'hui les gars, je vous ai préparé une série de 3 vidéos qui va vous apprendre à lancer un réel business en ligne, ça va vous éviter de faire ça pendant 8 heures par jour, du coup c'est le premier lien dans la description, c'est une formation gratuite, vous pouvez y aller, et n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve à une prochaine vidéo les gars.